Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Book of Oz. On reprend notre petite aventure, c'était le matin, on va pouvoir nourrir le chien. Alors, comment ça fonctionne? On peut mettre n'importe quel type d'effort, et n'importe quelle nourriture tant que c'est de la substance et que c'est des restes ou un œuf. On peut lui filer le pigeon, on peut pas lui filer le pigeon. On va lui donner un petit macro. Et on va utiliser du else par exemple. Ok, il peut devenir coopératif. On va voir ce que ça fait. Peut-être qu'il va plus être lost, frightened, and ah, s'il faut qu'on le nourrisse tous les jours, par contre, ça va être hyper cher. Hein. Mais il faudra aller pêcher tout le temps. Ouais, enfin. C'est assez rare qu'on ait de la bouffe là. Hein. En vrai. Il faut aussi qu'on attaque notre lit. Donc, on peut faire le twist qui est à 2. Ça. On veut ça. Sunny. Ah non, c'est pas le bon. Celui-là avec la lanterne, c'est celui-là. Tac. Tac. On veut ça du coup. Il fait con, on peut pas mettre l'encre et la machine, c'est l'un ou l'autre. Bon, on va mettre ça parce que ça on peut le générer facilement. Et un skill de type lanterne. Alors, on a celui-là qui a 2. On a celui-là qui a 2 qui est tout nouveau. On va l'utiliser. Du coup, on n'est pas à 10. Bah non, on n'est pas à 10 puisque j'avais prévu de mettre l'encre, mais en vrai, je peux pas mettre l'encre. Tiens, on peut crafter un truc là que je connais pas, ça me parle pas. Peut-être un souvenir. Mais bon, ça va le faire. 10, on va aller générer tout de suite un souvenir de type soleil. Hop. Et est-ce qu'on peut recrafter une lanterne? Ça paraît compliqué parce qu'on n'a pas notre skill à 2, on a notre skill à 1. Ah oui, en plus ici, ouais, il faut un soul du bon type. Donc là, on a un de lanterne. On peut mettre deux facilement. Il nous faudrait un autre souvenir. Et le seul souvenir... Le seul souvenir qu'on a à deux de lanterne, c'est la révélation. Donc on peut pas en fabriquer deux en même temps. J'espère que je ne l'ai pas cassé, il était ouvert. Un bon stylo bien costaud celui-là. Bon, au pire on utilisera l'encre. Pas grave. Donc utiliser le stylo. Il fallait qu'on fasse venir la dame du coup aussi. Viens. Pour pouvoir. Il nous faut du coup un souvenir à 2 de Hertz également. Donc un Solaïs. Soleil, on va le faire ici. Avec un fait, non. Avec un thrist. Donc on va pouvoir. Il nous faudrait du coup encore un petit peu de cocoa. Cocoa. Voilà. Attention, Chobiti ne casse rien, s'il te plaît. Ah oui, je sais que c'est sur le chocolat, mais... Ah tiens, c'est vrai, il a disparu, notre incident, j'avais pas fait gaffe. Ça a dû passer, le rituel a dû passer, du lac. Ok, bon, on va en avoir un autre, du coup. On va avoir un nouvel incident, très bien. Et il faudrait qu'on commande du chocolat. C'est parti. Alors, encre. Parchemin, tac tac tac, whisky. Encore plein, visiblement, quelque part. Et c'est pas grave. On va commander. Là, on envoie le
petit truc, on met un petit peu de thunes, c'est pas assez. Machine. Perle le chocolat. Hein. D'un seul coup, ça choune plus pour l'argent. Hein. Ça, c'est Sky 2. Ça, c'est cool. Illumination The Bosque. Je crois qu'il y a un endroit où on n'a toujours pas avancé, c'est justement l'illumination. Maintenant, on va peut-être pouvoir. Parce que je sais que je gardais, parce que y avait le seul truc que j'avais de type illumination, il allait là aussi. Ouais, ça devait être un des édicts. Mais maintenant, on va pouvoir mettre ça. Et ça, c'est de type bosque aussi. Bosque, c'est en bas. Beaucoup d'autres de type bosque. Ouais, il nous faut du level 3. Et donc, il n'y a que celui-là qu'on a. Donc, on va plutôt se mettre un édict ici. Ouais. Mettre l'édict inviolable. Qu'est-ce qu'il nous donne l'édict inviolable? Tu veux pas? Ah non, c'est pas lui. C'est lui. L'édict martial. Il va nous donner Faust, hein, le seul qui nous manque. Allez, c'est parti. Ça y est, type lanterne, petit sky. On les a tous là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ouais, on a les 9 aspects de l'esprit. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On est un peu dans le rempli, là. Donc, on va consommer quelques trucs pour cataloguer au moins les lieux faciles. Les bleus, c'est des livres qui sont en général d'une ère... C'est l'ère des curiales, hein, qui est relativement récente. Il y a peu de contamination. Alors, Mrs. Kyle. C'est parti, je peux pas. Je suis en train de nourrir le clébard là. Vache. On est plombes. Il avait très faim. Ouais ouais, il avait très faim, je veux bien, mais bon, ça prend quand même des plombes. Ici, il faut qu'on garde ça sous l'œil parce que on va devoir potentiellement mettre des trucs dedans. On a terminé. Ok, on va envoyer la commande. Pas de problème. Sous la main, on a dit, on va avoir un souvenir de prêt, plus une encre, on a un outil si besoin avec la lunette qui est là. Je pense qu'on devra pouvoir atteindre 10. Alors, 12, on a 12, c'est un peu trop. Là, 6 de Hertz, et c'est un truc qu'on peut lire. On parle de tricoter. Par Valentine des Wolfs. Ouais, ça correspond, on dirait Chobiti qui tricote. Hein. Ça me porte exactement comme ça. Ah non, tu vois bien qu'il n'y a encore 15 secondes. Je pensais que c'était. Du coup. Notre souvenir. Ici, on est en train de le générer, donc on peut pas le régénérer. Il faut que je regarde le truc qui va truquer. Ça, tu veux dire? Le truc qui va truquer. Très bien. On va voir ce qu'on tire. Alors, on a terminé ça. Ça, c'était juste pour générer la révélation. Parfait. Le chien. Loyal Dog. Il a l'air moins pourri. Il a l'air moins pourri, je te l'accorde. Ah, ah. Des promenades sont vraiment un petit prix à payer pour sa fidélité sans limite. Ok, qu'est-ce qu'on a tiré? Une mémoire. Bon bah parfait, on va mettre la mémoire. Un Ubescent. Et de l'art. Mais le memory va largement suffire du coup. C'est parfait. Alors toi, maintenant, on peut commencer à papoter avec toi. On veut monter ton Hertz, c'est parti. Il va nous falloir un souvenir de type Hertz, je l'ai lancé. Un
The World Despoil. Et bon, on a un soleil sans cour là. On a le chocolat ici dans quelques secondes. On va voir quelqu'un qui va venir. Ça tombe bien parce qu'on n'a plus aucune thune spéciale là. Alors, Mr. Zachary Wakefield. L'affaire du visiteur Kininfini. Ah, et parce qu'il y a eu une infestation de worms. Il considère les vers comme ses invités. Ok. Parfait. Alors, faut qu'on essaie de le satisfaire pour qu'il nous donne plein de sous. Alors ici, memory, faut pas que j'oublie de la mettre, voilà. 10 pour 10, ça c'est bon, on est bien. Ici on a généré notre soleil, et ici du coup... On va pouvoir papoter avec lui, mais on a le temps, donc on va se concentrer sur la midwife pour le moment. Ça commence à prendre de la place tout ça, là. Bah après, c'est vrai que même tous les level 1, je les prends, alors qu'en vrai, je pourrais m'en servir comme des souvenirs simples et laisser tomber les leçons, quoi. Mais... C'est problématique, parce que ça veut dire que tu peux potentiellement avoir un level 2 ou un level 3 sur un truc que t'avais pas prévu. Ouais, ouais, bah c'est ce que j'essaye, ouais. Ici, pourquoi je peux pas le faire? Parce que j'ai que 4. Il semblait que j'en avais un 3. Voilà. Hop là, excusez-nous, petite coupure pour cause de tout, de nouveau. Ouais, du coup, il faudrait une memory, ou une aide. Je peux mettre ma lunette, là. Ouais, je peux mettre ma lunette, parfait. Forger une petite lunette supplémentaire. Alors, toi. On va discuter du beau temps, voilà. Et ici, on a masterisé ça. Et c'est une révélation. Ok. Donc, The Hollow of the White Horse. Hollow. A White Horse. Donc ça donne révélation. Révélation, c'est deux de lanterne, hein, c'est tout. C'est ça. Lanterne 2. Et par contre, on a deux leçons là, ça c'est cool ça. Alors, on va aller le ranger, le livre. De level 3 du coup. Et on va peut-être pouvoir la faire monter level 3. Donc là, il nous fallait pour le moment une seule memory. Un effort de type peu importe. Non, pas de type peu importe, tout à fait. Sky ou lanterne. Et après, il nous faudrait deux mémories de type lanterne. Ouais, on attendra, c'est pas la priorité. Si le temps il est Sony, par exemple, pourquoi? Oui, si le temps il est Sony, ou même, hein, on en a des lanternes. On n'a qu'un seul lanterne level 2, mais il y en a plein d'autres qui ont du lanterne 1, donc c'est pas de souci. C'est juste qu'on n'aura plus de skills qui correspondent, donc c'est pas précis de... jeter sur les souvenirs. Regardez vite fait, le moss on a toujours pas moyen. Le scale 8, y a moyen, on peut le lire. Le tantra des vers, ça donne envie, non? Scale et il veut du Nock ou du Winter. Alors, de toute façon, d'abord, il faut qu'on lui serve un petit chocolat. Voilà. Là, on passe à level 2. Il l'avait à tune déjà celui-là. Je l'ai pas à tune celui-là. Je vais garder pour une nichaterie. Ouais, c'est ça. Donc là, il est level 2, je pourrais la tune. Mais vu que je vais pouvoir le monter level 3, on va peut-être attendre.
là, du coup, c'est ça. C'est le seul que je peux mettre dans cette branche pour le moment. Oui, t'as déjà la lance. Ouais, je sais que je vais le monter level 3 au 30. Sûrement faire des trucs là, on a du scale là. Alors on a du earth pour 1. Qu'est-ce qu'on a comme skill qui donne du earth? Ça c'est 2, il y a ça c'est 2. Les autres c'est du level 1 donc je pense que ça doit être pire. Ça c'est 1, ça c'est 2. Ok, donc on peut avoir 3 assez facilement. Si on avait le short de reposer, on aurait 4 assez facilement. Avec un memory, on serait à 6. Donc on pourrait faire le 6 assez facilement si on repose lui. On va le faire. Hop. La sieste, ça marchait pas. La sieste, ça marche, monsieur. D'accord. Ouais, c'est bon, j'ai dépensé 2 pence. C'est terrible, hein. Et même pas à voir combien ça fait, tellement c'est de la monnaie de merde. Bah, c'est 2 centimes, en gros. Un pence, c'est... Enfin, un penny, du coup. C'est le moins qu'on a. Il nous faut le Hertz 2. Le Hertz 2, c'est Solace. Il est là, je crois. Ouais. Hop, on utilise un RM parce qu'on en a plein. On avait un truc basé sur les Worms, du coup, pour lui discuter. Il y a peut-être moyen de trouver ça. À quoi voilà. Regardez dans mes trucs. Sur mon texte plutôt. Oh, tac tac. Bannerman. Il y a un truc d'exorciste éventuellement. Après il va nous dire. Hein, ce qu'il veut, est-ce qu'il veut se débarrasser des vers, est-ce qu'il veut juste savoir ce que ça donne. Ouais, pour l'instant rien de très pertinent dans ma liste. Donc déjà, on va distribuer, discuter avec elle et on va voir après ce qu'il nous veut, monsieur. Et on va boire un peu d'eau. Passe un truc. Ah oui, on a fabriqué notre petite lentille. Très bien. Là-bas. Hop. Allez ma chère, essaie de nous débarrasser des miasmes théoplasmiques, s'il te plaît. Ça fait rêver. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Je peux vous voir, très bien. Alors, il connaît quoi déjà? Bon, de toute façon, on peut pas le payer. Il pourrait nous apprendre le Funsin. Ah, le Kilazimi, ce serait cool, mais on n'a pas ce qu'il faut. Alors, Hobson, c'était mon ami. Maintenant, ça pourrait être... Il might be my... Ah, il pourrait être mes amis. Waouh, c'est glauque. Je dois savoir quoi faire. Alors, there is a way out and there is a way down. Alors, du coup... Le problème, c'est que les livres, ils ont pas vraiment de type. Il faut qu'on en trouve un qui soit de Mystery Knock, voilà. Au moins niveau combien? Moins niveau 4. Alors du coup si je lui donne genre traveling at night. Alors, there is a way out and there is a way down. Tant que, qu'est-ce qu'il dit lui? Alors, un tireur, un détective, un renégat, il a toujours été quelqu'un de calme, mais depuis qu'il a quitté le bureau des suppressions, ok, ça c'est quoi c'est là? La police secrète. Il est devenu encore plus calme et terriblement tranquille. À part pour ses yeux et ses doigts qui sont toujours en train de bouger.
Ok, il faut pas un livre, pour bébé lui du coup. Alors là, on a deux livres de type Knock. De quoi ça parle? Un débat autour du Socratic Mode, ouais. Alors, une chasse de l'heure nommée le colonel. Attends, une chose à la fois. Déjà le Knock, on regarde ce qu'on a. On n'est pas obligé de lui donner un truc qu'on a lu. Hein. Pas du tout. Non, c'est sûr. Pourquoi ça brille pas celui-là ? Là, on a quoi ? Master des maçons et des architectes. Ah, ça pourrait peut-être aider. Ah non, ça ne peut pas lire le texte, hein, c'est con. Tu peux pas revenir là. Ok, ne reviens pas là. Il y a Ogor là. Ogor. Bon, c'est out. J'imagine que ça lui plaît pas. Ok, donc pour le moment, on a l'air de pas trop avoir ce qu'il lui faut. Ceux qui sont là. Non. Ok. Donc, ce qu'il veut, sinon, c'est du Winter. Winter, on en a pas mal. Du coup, est-ce que si je lui en donne un, il me dit in. Down it is. Avec tous les Winter. D'accord. Donc, soit je lui donne du Knock et c'est out. Soit je lui donne du Winter. Et c'est Dawn. Peut-être qu'il y a un livre qui peut aider plus, qui me peut aimer plus que les autres. Ouais. Et on a fait le tour. Ouais, j'en ai plein des Winter, c'est le truc que j'ai le plus. Musgrave Sketch, ça m'étonnerait. Là. Deux même. Ouais, deux. Là. Ah. Ça ne sert à rien. Et ça m'étonnerait qu'on en ait que j'ai pas lu parce que je suis tellement efficace en Winter que. À moins que ce soit vraiment un gros chiffre. Ouais, non, on n'a pas. D'accord, bah du coup, Dawn ou Out? Out, j'imagine que c'est qu'il laisse tomber, et Dawn, c'est qu'il essaie de se débarrasser des Worms. Romance with the Sun. Les Annales de Saint Brandon. Bon, on va essayer celui-là du coup. Allez, c'est parti. Et du coup, ouais, le chien il est revenu là, hein, il fait dodo. Les coopératives. Ah, je me souviens avoir vu ce truc-là, coopérative, dans certaines cases. On doit pouvoir s'en servir à certains endroits. On pourrait l'ouvrir assez facilement, pareil. Hein. Avec le curton. On ira chercher le curton, ça me permettra de noter ce qu'il fait de beau dans sa vie. Il n'y avait pas. Pas ouvert encore. Alors là, on a généré un soleil, pour quoi faire. Je sais plus. Pour le livre qu'on devait lire. Là, il y avait un livre à pas grand chose. Voilà, c'est ça. Et du coup, on avait fait une sieste là. Et celui à 6, on peut le faire. Il nous faut juste le bureau de type RT. Je crois qu'il est par là-bas. Je crois que c'est lui. Alors, c'est celui-là. Oui. C'est celui-là. Donc, on met le paper. On met le memory. On met le chore. Et il nous faut un skill à 2. Une petite leçon supplémentaire. Recataloguer.
va retourner dans la forêt avec le four and feather là, pour voir ce que ça fait. On met du else. Moi j'irais bien dans... Ça ? J'aimerais bien ouvrir le puits aussi ici là pour pouvoir débloquer cette zone, mais il faut vraiment qu'on tombe sur un mec bien à la taverne. Qu'est-ce qu'il va nous dire lui? Est-ce qu'il va buter le mec ou est-ce qu'il va buter les vers? Ça c'est la question. Il nous a donné du bronze, c'est pas idéal. Mais bon. Et déjà ça. Quête de moon. En plus on a le triste là. Hop, un petit truc de moon à la con. Voilà. C'est parti. Bon bah vu qu'on a dépensé de l'argent pour le chocolat, on va aller travailler hein. Pour pouvoir racheter du chocolat, exactement. Sometimes. Allez, on va tenter. Bah, la bibliothèque se remplit quand même. Hein. Ah, là, la musique. Une chambre. Ah non, c'est Angus. C'est Angus. reference image, effectivement, c'est Angus. Très très bien. On a trois livres à cataloguer, une chaise, un sac de trucs. Ouvrir, ouais. On a le bureau de Nathan. Ah, oh, il est de type moss, excellent. On va pouvoir faire des choses. Et là, on a un lit. Un exilé a dormi ici, il y a très longtemps. Autour de la tour. Des tableaux. Un super miroir. Et le bureau de type moss. Et bah, c'était rentable. On va aller reposer l'encre, puisqu'il ne nous a pas servi. On va prendre ce truc-là à ouvrir. Les livres. Une, deux. Et normalement, on peut faire le troisième de justesse. Non, on peut pas, c'est serré. Aller. On pouvait en mettre un sur le bord, mais peut-être qu'il y a des il y a des livres qui sont un peu plus petits. 6 de Winter. Zeus, Indignity, perpetrated by the deceitful fraternity of Obliviate. Waouh. C'est... C'est précis. Bon, celui-là, on va pouvoir le lire. Pas de problème, juste demain quand on aura nos... Le nom est sympa, ouais, ouais, c'est... Tu sens qu'il est, il est pas à charge, le livre, quoi. Ouais. C'est un The Wolf, peut-être. Sixième siècle. Après que l'ordre soit devenu... Et celui-là, 14 de rose, non, c'est pas de rose. Par contre, les moss là, 10 peut-être pas, mais. On va peut-être pouvoir commencer à travailler sur d'autres livres. Pareil, je pense que lui là, c'était du scale level 6, on va pouvoir le faire, le fameux traveling at night. Traveling at night tome 2 là. Qui nous nargue depuis le tout début de la partie. Bon, bah on va finir la journée tranquillou. Masteriser notre leçon, là, peut-être. On n'a pas de...
n'a pas de cover le bag. Donc. On n'a pas de cover le bag. La lanterne, le bureau à lanterne est là. Yes. Tant qu'à faire, on va la poser là, la lanterne. La lentille, pas la lanterne. La lentille qui donne de la lanterne. On a trouvé un serpentine slab, super. On a trouvé un paquet de contrebande, c'est mieux. Et on a trouvé de l'argent. Et du coup, vu que notre inventaire est plein, on a droppé le paquet de contrebande ici. Bon. La caillasse, je la mets là. Je peux pas la mettre là. Je peux la mettre là, non ? Pourquoi je peux pas la mettre là ? T'as mis de la perle et on a eu un trésor ? Un trésor, je sais pas, mais oui, on a eu un truc. On a eu un paquet de... de contrebande. Knock et rose, et on avait mis un truc de type rose, ouais, donc peut-être. Et l'autre, j'avais mis ça, c'est de type sky et scale, et la pierre est de type scale. Ouais, ouais, il y a peut-être. Le chien est de type scale aussi. Bon, je pense que c'est quand même très aléatoire. Hein. Mais ouais, il y a peut-être moyen de faire des trucs. Bon, et demain, on va travailler sur du bouquin. Donc ça c'est 6 de Winter, il n'y a pas besoin de souvenirs pour ça. Ça c'est 6 de Sky, je pense que par contre, il nous faut du souvenir. On a quoi? On a celui-là qui est level 3, 4 de Sky, et on a Faust qui est 1 de Sky. Donc il nous faudra un souvenir de type Sky, et la lanterne pareil à 8. Ink of Revelation, cool ça. La lanterne, on peut avoir 2, 2, 4, on peut avoir 6, on peut avoir 8 du coup, assez facilement avec notre lentille. Il faudra un souvenir. Ok, bah dès que c'est le matin, on lance nos souvenirs. Toto, on peut pas dire qu'on fasse Toto jusqu'au matin. Y'a pas cette option là. Bah non, y'a pas cette option, on passe en vitesse 4 si tu veux vraiment, mais... C'est pas très intéressant de dire on passe le temps quoi. Alors, le Ceaseless Tantra. Du coup, il nous donne quoi lui? Un impulse, tiens, ça faisait longtemps. Toc. Ça te donne des papillons. Si. De. S. Tantra. Ça tombe bien parce que vu qu'on vient d'avoir du moss, on va pouvoir faire des trucs avec le moss. Mais bon, on en avait déjà des impulses. Hein. Donc c'est moss 2 et nectar. Et du coup, on pourrait apprendre à tisser. Ben go. Ça va plaire à Shobi tisse. Ah, y'a un truc qui est tombé dehors. Ah bah oui, le lien du coup. Terre est plein. Alors, on va regarder où est le impulse. Là, je pense. En gros, on en a plusieurs, mais c'est là. Et on va le mettre ici. C'est ça, impulse là. Peut-être juste pour finir, c'est notre triste amélioré en plus. Ouais, bon. On fera la sieste au pire. En se levant, on le mettra à dormir. Il va peut-être passer 11 secondes, oui, je crois que c'est. Il faut quand même que ça avance vachement. Là, on maîtrise Weaving and Not Working. Qui est type Birdsong et Bosque. Masteriser
c'est celui que j'ai mis, c'est celui que j'ai mis. On a masterisé What Doesn't Bark. Bah non, Does Not. Chale. Ça nous donne quoi? Storm. Ah, tiens, rigolo. Mais c'est un Storm qui a pas le type Wither. Ok. Storm, c'est 2-2 Hertz et 2-2 Scalé, c'est ça? 2 Hertz. Et Edict inviolable, on va pouvoir monter. Ah, est-ce qu'on peut le faire maintenant? Non, on n'a pas de. On n'a rien de proposé, malheureusement. Et du coup, il est tombé dehors. Il faut qu'on ouvre un nouveau truc, du coup. Storm. Sky 2, Earth 2. Et on va aller le chercher. Hop. What Doesn't Bark, WDNB. Comme ça depuis le début. Mais je sais très bien, Choubiti. Il y a des noms qui rendent mieux que d'autres. Oui. Alors, on pourrait générer des souvenirs pour ça. On va attendre le temps déjà. Pog. Trois de knock là. C'est plus temps. On va direct aller dire à notre petit copain le recteur là. Coucou. Alors attention, parce que ça c'est le knock. Donc il faut pas que je le crame trop. Non, il faut lui mettre de la thune pour qu'il vienne, lui. Oh. Eh oui. C'est curé. C'est pour la bonne cause. Non mais hein, c'est pour tes ouailles. Viens aider tes ouailles. Et la bonne parole, l'assistance, l'amour des autres. Hein, que dalle. Bravo, bel état d'esprit. Bon, celui-là, on peut le faire facilement. Donc on va le lancer direct, peut-être même avec celui-là, sans se faire chier. Donc là on a deux, il nous faut un truc à 4. Ça. Hop, on a un 9 direct avec ça. Donc lui on le lance. Ensuite il va nous falloir des souvenirs. Donc là il nous faut un souvenir de type Sky. Alors calculons quand même. On a ça, c'est 1. On a plein de compétences de type Sky. Il y en a qui sont à 3. Ah là, il a 3. Excellent, 3. Donc on a déjà 4. On rajoute un memory, on est à 6. Et ben on va faire Storm. Hein. Hop, avec un fait, avec un Ereb, non, avec un else. Non. D'ailleurs, du coup. Arrive à les fusionner à un moment. Donc on va générer ici 2 de Sky, on pourra faire Traveling at Night. J'attends de voir ce que je fais avec mes trucs, savoir qu'est-ce que je peux utiliser où. Là il va nous falloir de la lanterne, donc il nous faudrait celui-là. Donc ça c'est 2 de lanterne, mais il nous falloir pour le Sky. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le quoi des autres, ou dire l'argent des autres, c'est ça? Non mais il n'y a pas d'argent des autres. Ça n'existe pas pour Chobiti. L'argent qui est dans d'autres poches que la sienne, c'est juste une manière temporairement de l'arranger, tu vois. Alors, on a dit 8 de lanterne. Donc 8 de lanterne, là on a 2. Non, là on a 2. Faut pas que je me gourre. Ça c'est pour le Sky, ça c'est pour le lanterne. Donc 2 de lanterne plus un skill. 2 à 2 à 2, ok. Donc on est à 4. Donc on prend le souvenir, on est à. Il nous faut un souvenir du coup. Donc on va prendre Soleil, c'est ça. J'ai pas mis le nom du souvenir.
chez Soleil. Ça. Non, révélation. Oui, pour ça qu'on s'envoie du buggy. Et on va te lire, j'aimerais bien te lire avec un fait, parce que le fait il nous sert vraiment à la peine. Non. Ah, ça va être sur celui-là aussi. Bah, on va lire avec autre chose, hein. Alors, ça non, un else, on peut lire avec un else. Ça, trois else, on peut lire avec un else. Trois érables aussi. Hop, oui, mais les érables, il faut pouvoir les mettre. Oui. Pourquoi je peux pas start, là? Non, parce que c'est pas ça. C'est un révélation qu'il faut que je gère, donc c'est ça que je le lise. Voilà, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Donc là, on va générer les souvenirs pour nos livres. Maintenant, il faut générer les souvenirs pour nos leçons. D'ailleurs, bah, c'est les mêmes. Hein. Là, on veut le monter au niveau 3, donc il nous faut 2 mémories. Du coup, bah, on va les générer ces deux-là, puis on va les régénérer, du coup. Donc, pour le moment... fait rien d'autre. Quoique, on pourrait générer un lanterne 1, c'est pas gênant. Ou du moon. Non, ou du sky. Lanterne ou sky. On a le Savage Hymn qui pourrait faire du sky. Qui est là. Hop. On va mettre ça. Ça, c'est Edge Force, ça ne nous servira pas aujourd'hui. Donc là, on va avoir un Sky, et il y a Soleil, sinon, mais on est déjà en train d'en faire un, non? Je suis pas sûr, j'ai un doute, donc je vais pas le lancer. On a un Révélation et un Soleil sans cours, je crois. Mon révérend, il est en train d'attendre, là. Je discute avec lui encore. Et on a Confounding Parable, qui est de Sky 2. Et lui, il est là, je crois. Ouais, il est là. Du coup, on va le lire dans notre dernier bureau disponible. Avec un thrist. T'as un nouveau bureau, maintenant Oui, j'ai un nouveau bureau. Oui, mais, non, mais après, je peux lire avec d'autres trucs aussi. Ou même avec ça. Mais si je lis avec ça, je peux pas ouvrir mes paquets. Donc là, du coup, on sait qu'on peut utiliser ça pour les paquets. L'argent des autres, Ardarine, franchement. Alors, donc du coup, j'en profitais pour noter. Recteur. Il veut une note. Là, ce qu'on veut lui monter, c'est le knock, c'est ça. Parce que là, on veut 6. Ok, c'est parti. La leçon, ça. On va être à 4. On va lui mettre un chapt, il sera à 6. Parfait, parfait. Ah bah ouais, ouais, c'est compliqué, ouais. Plein de choses à faire, dans plein de sens précis, sinon on se foire. Il serait en FR, je le prendrais pour moi. Ouais, bah, il y a sur la page Steam, il y a des discussions sur les traductions à proposer. Il y a quand même pas mal de monde qui pousse pour le FR. Comment ça, tu piges rien, Ardarine? C'est totalement dans tes cornes. Bah, c'est simple. T'as 9 aspects de l'esprit. Ils sont là. Et après, t'as plein de compétences, mais au début tu les as pas. Elles sont pas là. Et puis t'as plein de trucs à faire, et faut interagir. Et t'as... Là. Soit tu peux les regarder, soit tu peux leur parler. Là, regarder, là, parler. Et puis après t'as des bureaux qui te permettent de regarder, ou de parler, ou de crafter, ou de manger, ou... Là. Et voilà. Et à la fin ça te fait des livres.
C'était simple, c'était clair, non? Est-ce que Chobiti a bien résumé? Hop là, excusez-moi de retour du coup, parce qu'elle rigole donc à tous. Bien résumé, Arnarine, bah tu vois, parfait. Donc ici, on a généré un storm. À la fin, ça fait des chocs à livre. Ah oui, tout à fait, c'est vrai, j'avais pas vu cette contribution. Donc là, du coup, maintenant, on a un bureau... Pas du tout. Ça, c'est le bureau de type Morse. Est-ce qu'on a un bureau de type Sky, quelque part? Là. Ok. Donc ici, il faut qu'on attende qu'on ait terminé de masteriser ça. Ou alors ici, parfait, on va générer un souvenir, on va faire ici, le Sky. Alors, ici, on met le livre, on met Faust, on met la mémoire, et il nous faut un 3, voilà, et on est à 6. Parfait, tiens, on peut fabriquer un Awakened Feather. D'abord, on va masteriser ça. Alors ici, dans le truc de contrebande, on a trouvé un package abandonné. Là, hein. Ah oui, qu'il faut nous ouvrir, ouais. Ah bah c'est ça l'emballage. Hein. Pardon. Donc là, on a généré un truc de type Sky, donc ça c'est pour notre leçon. C'est pour notre leçon. Voilà, là on a les deux pour notre leçon. Si je ne m'abuse, non pas du tout, on a un... Si, c'est ça, Sky, Confounding Parable. Il est très fort, c'est un Momori level 6, celui-là. Donc là, on peut prendre Purification et Exaltation. Ah, il était le bagage abandonné, il était discrètement emballé dans un paquet de contrebande qu'on a trouvé sur la plage. Donc je reste dubitatif sur le côté abandonné quand même. Mais... Et là, du coup, on va pouvoir monter ça level 3. Ensuite. De toute façon, il a été jeté dans la mer. Oui, il a coulé, hein. On a coulé en voulant arriver. C'est ça, il est tombé du bateau, en fait, Ardarine. Donc là, on a ce qu'il faut pour monter de niveau, mais il faut d'abord attendre. Et. On a tout ce qu'il faut pour ça, par contre. Courir. Ouais, j'aurais pas dû utiliser ça. Bah, faire un... il va falloir que je le repose, mais je le repose dans 30 secondes, c'est pas grave. Non, encore tôt le matin, on va même pouvoir faire une petite sieste avec du Engro, tiens. En traquant à la grande. Et lui, du coup, il a son level 6, donc on va pouvoir ouvrir cette pièce. Une chambre. Une chambre hantée par les serpents. Mmh. Bah peut-être qu'on va pouvoir avoir un serpent, on sait pas. Mais je sais pas, il y a un œuf de vipère tout à l'heure. Il y a un autre bureau, on dirait. Du coup, quoi d'autre? Là, on est en train de faire ça. Ouais, pour l'instant, on a beaucoup de choses à faire avec le considère. Et pendant que tes aspects de l'esprit ils font rien, ils... pas travailler ou ramener des poissons on pourrait tenter ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme truc? On pourrait mettre Link ici, pourquoi pas. Et si on met un Thrist, on a un bon boost en mousse en moon, pardon. Allez, allons-y. Et donc ici, peut-être qu'essayer de mettre du rose, ce serait pas mal. Ou du Hert. Hop. Et en effort, on mettrait du Hert aussi. 3 de Hert. 4 de Hert. Allez, 4 de Hert. On va voir ce que ça donne. Hop là.
ici, on passe level plus plus. Il faut défatiguer le Wilt. Il faut défatiguer le Wilt, on a dit. On le fait dans notre lit. En picolant un peu. C'est parti. Avec une bonne grosse bouteille des familles. Ici, on va du coup ouvrir ça. Sûrement cataloguer un peu avec un de nos fêtes là. En fait, on peut utiliser, je crois. Ouais. Donc on va cataloguer ce livre là avec ça. Rarely contaminated, c'est parti. On fasse des sous parce que bientôt on va devoir casser un de nos billets sinon. Donc là, on va avoir ce qu'il faut pour ce truc-là. Dès qu'on aura libéré... Non, dès qu'on aura reposé notre weave, donc c'est pas tout de suite. Il y en a pour un petit meme. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le truc stratégiquement abandonné? Alors ici, on a masterisé. Les fameuses indignités. Il nous en apprend plus sur les croisements, ok. Memory Contradiction. Oh, je sais pas si je l'ai déjà eu, lui. Alors, on va y revoir. Déjà. On va faire une nouvelle page. Attends, le titre à la con, là. This is full fraternity of Oblivate. Super. On va s'arrêter là, ça serait bien. Et c'est contradiction, de toute façon je suis à la fin de ma page donc j'ai plus de place. Quasiment sûr qu'on l'a déjà. Ça me dit quelque chose, la petite description, comme quoi elle est, c'est un truc oubliable. Non, on l'a pas, on l'a pas. Ah si, là, traduction. Hop, titre quoi. TPBTFDFO. Peut-être pas sur l'étagère. Hein. Bah si, rien, tu vois, ça marcherait mieux. Du coup, on avait ce truc là. Non, il nous faut notre triste. Ça, il nous faut notre triste. Ici, on est en train de masteriser ça. Là, on ouvre. Okay. Il nous faut notre triste pour avancer. C'est long, hein. C'est 1 minute 30 hein, à la sieste. Ah, on a ouvert la serre. Cette thématique violet est waouh. Ça... La chaise longue des conclusions. Parfait. Tiens, c'est vrai qu'on avait un buste aussi là-haut. Mademoiselle Matutine. First Burst. Okay. On a un doduche. La chambre violette. Oh, les générations de deux wolves sont nées dans cette pièce. Ça aurait dû être 7. Mais Afrenwater est morte en devant la naissance du baron Walter, qui est très bien. Là on a du vin, et donc c'est pas un bureau ça, donc c'est pas un nouveau bureau débloqué, c'est juste... Ouais, il y a une chaise du challenge et une chaise longue de la conclusion. Et là on a besoin de 7 de Winter, Icy Bedroom. Il est rempli d'une brise gelée. Encore un magnifique lit. Bah, ça reste un château, hein. Oui, oui, non, mais on est d'accord. J'ai pas dit le contraire. Ok, bah écoutez, parfait. Donc il nous reste la sieste à faire ici. Puis il y a des petites leçons. Alors du coup, si on veut monter ça, il nous faut du Moon ou du Earth. La mémoire qui est là, elle va faire le taf, parfait.
Et ça, c'est un truc qu'on connaît pas. Donc, on va pouvoir la prendre sans rien. On fera la fin de la journée. Alors ici, 600 sky. Bah, parfait, c'est qu'on peut le faire, ça, maintenant. Relativement aisément. Alors, il y a une discussion extensive sur la comparaison entre les rêves d'Hylopolis et ceux de l'empereur Elagabalus. Que Hylopolis regarde comme un dupe ou un avatar du soleil en lambeaux. Ok. Et on a trouvé dans le bagage abandonné un crâne. Stratégiquement abandonné, je suis d'accord. C'est ça, ouais. Stratégiquement abandonné. Ouais. Là, je sais pas quoi je veux foutre de ce truc. Tu peux le mettre à côté d'Angus. Ce que je me disais, est-ce que je peux pas le poser par là, le bureau. Là, devant la fenêtre, t'as un petit placement. Ah, je peux le mettre juste vraiment à côté d'Angus. Voilà. Et ici. Ok, on a 6 pence qui rentre. C'est toujours ça de prix. On n'a pas encore terminé ni la sieste ni Faust. Ça va arriver. Tac, tic, tac, tic, tac. Du coup, on pourrait quand même travailler sur notre leçon. Toc, toc, toc. Non, c'est celle-là. Pardon. Oui, je me dis c'est du jaune, c'est du lanterne, mais absolument pas. Et il nous faut un effort du bon type. Bah, il n'y a que celui-là. C'est parti. Alors, on a trouvé des baies. Ok. Incroyable. Et un galet. Bon, donc plutôt du verre qui a été lissé par la marée, là, je sais pas comment ça s'appelle, ça a un nom. Les baies, on va les mettre à la cuisine. C'est même pas du verre de pirate. Verre de pirate. Oui. C'est un peu comme ça. C'est quand tu trouves du verre, mais c'est du vieux verre de l'époque des pirates. Parle plus fort. Et en fait, il est super spécial et si tu mets une certaine lumière, il est transparent, sinon il est noir. D'accord. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Je connaissais pas. Ça arrive que la marée, elle... Genre, il y a des pierres dans le des choses comme ça. Bien. Hop là, du soleil. Il est là, le soleil. Est-ce qu'on peut le mettre? Oui, ça rentre. Parfait, ça rentre. Donc on a récupéré notre whiz, donc on peut attaquer le livre. Hop, donc il nous faut un skill de type lanterne, au moins de niveau 2. Tiens, bah, level 3, c'est parfait. Craft refoulguing. On met ça. On est à 7. On met la petite lentille. On est à 9. C'est parti. C'est parti. Ici, on est en train de faire notre leçon. Alors, on a trouvé Light and Sensation. On a déjà ça. Donc, si on veut le monter level 3, il nous faudra deux souvenirs de type Sky ou Winter. On en a un. Est-ce qu'on a ce qu'il faut, là? On n'a pas d'aspect de l'esprit qui vont bien. Donc, on va pas se faire chier.
On fera la prochaine fois. On va utiliser un autre aspect pour ouvrir le sac. Trouver ce qu'il y a dedans. Dès qu'on aura terminé ça, du coup. Plutôt une bonne journée, globalement. Le verre de pirate. Ah oui, c'est des bouteilles bière et rhum qui s'échouent sur les plages. Oui, bah c'est pareil, c'est du verre qui a été travaillé par la marée, on va dire. Alors, l'édicte inviolable level 2. On l'a attune nulle part, lui. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre quelque part level 2. Romakistri, c'est là. On pourrait aller par là. Ça, c'est intéressant. C'est le seul qui pourra aller là. Il est level 2 en plus. Tu vois ? Voir du metal. Un petit metal bonus. Excellent. Et le truc level 3 que tu voulais mettre ? Et le truc level 3 que je voulais mettre. Le truc level 3 que je voulais mettre. T'es level 3. Le truc level 3 que je voulais mettre. Alors, on va entrer par niveau. Bah, y a lui, mais je viens juste de le débloquer, donc ça pouvait pas être ça. Je sais pas. Ouais, faudrait que je fasse un petit tour en off pour vérifier les attunes, là. S'il y en a pas quelques moyens d'améliorer 2-3 compétences. On va terminer la journée, du coup. Donc, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est qu'on ouvre ça. On va l'ouvrir avec un fait. Vu qu'on a débloqué un metal, on va cataloguer avec notre bureau ici. Le REB, il va nous servir à rien non plus. Donc on va cataloguer avec REB. C'est Grail, REB. Grail et Edge. Donc c'est pas ces deux bureaux là. Pareil, c'est ici qu'on pourrait le mettre, c'est ça. Donc pour le moment, on ne peut pas cataloguer avec lui, sauf si je vais là. Cataloguer là. C'est loin. Ah oui, c'est loin, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Le château commence à grossir. Hein. Et d'ailleurs, le chien, il est toujours amical. Il est toujours loyal. Ok. On peut faire des trucs avec lui. On peut lui donner de la bouffe, c'est tout. Êtes pas plus que ça. Je crois me souvenir d'avoir vu des endroits où il y avait justement ce genre de symbole là, mais je me souviens plus où c'était. Ça peut pas nous aider, genre là par exemple. Je sais plus où j'avais vu ça. On tombera dessus le moment venu. Allez, on termine ça, on termine notre mastery, la catalogage. Ah oui, j'ai vu que Herdaid est le moment venu, mais qu'est-ce que tu veux, je ne peux pas deviner, je ne peux pas tout faire. Quand est-ce qu'il vient? Quand est-ce qu'on arrive? C'est quand le moment venu? Ça c'est du 4 de Knock. Ah bah on va pouvoir carrément le garder sous la main. Et ça, j'ai pas regardé, c'est du 12. 12 de forge, c'est un peu chaud encore. Est-ce que t'es assez fin pour aller là? T'es même tellement gros que tu... Y aller. Tu prends pas ta forme. Pas y aller. Y'a pas un plus fin genre là? Non. Bon. Je faisais référence à Iago dans Aladdin. Waouh. Ah oui, alors là... J'avoue... Ici ça travaille. C'était quoi le sujet de ce truc là? Ah oui, l'encre de révélation.
Après, en vrai, le craft, on peut s'en passer. Hein. Sur Steam, il y a même des gens qui sont en mode, bah, comment ça se fait que c'est aussi peu intéressant, etc. Enfin, on peut vraiment faire le jeu sans crafter du tout, a priori. L'heure est venue pour toi de te rendre en Égypte. Ah oui, il va être 14h. Et bah écoute, bah, je vais pas faire de raid, tu m'en voudras pas parce que tu es tout seul, donc... On a trouvé de l'arsenic dans le sac. Et ben, parfait. On va le mettre dans le labo. Un petit peu de place encore. Côté des Des cailloux. T'avais pas un buste à Hop. bustiser? Une bustise avec quoi? Je sais pas. Je veux pas dépenser de sous pour manger un morceau et se remettre bien. Donc, du coup, faire un pudding à l'arsenic, ouais. Ah, celle-là, je l'ai, cette référence, pour le coup. Allez, on va apprendre notre leçon, terminer le mastery là normalement d'ici la fin de la nuit. Et on pourra arrêter l'épisode. Hop. Alors, A Light in the Inkwell. Ouh, deux, excellent. Et une révélation, ok. Alors là. La lumière dans le puits d'encre. Les révélations, c'est juste une lanterne de... un puits. Hop là. Alors, c'est là, je crois. Ouais, on commence à en avoir pas mal, hein, des révélations. Bah, je me demande si c'était pas justement purification et exaltation que je pensais que. Celui-là? Non. Purification, exaltation. Celui-là? Tu voulais mettre en level 3 dans l'arbre. Ah, peut-être. Ah oui, donc tout à l'heure on le voyait pas parce qu'il était en train de travailler en fait. On a appris Ragged Crossbow. Très bien. Purification, exaltation, il peut aller dans. Akistri, qui est là. Oui, j'ai pas de level 2, donc je peux pas le mettre. Oui, c'est ça. C'est le seul qu'on peut mettre ici. Mais il est level 3, donc on a dit qu'on attendait. Illumination, pareil. C'est pas intéressant. Illumination, on a plein. Attendre d'avoir un level 2 en illumination. Et la leçon là, la leçon, on l'a déjà attuné quelque part. Oui, on a déjà attuné quelque part la leçon. Bah du coup, on peut apprendre ça et arrêter l'épisode de VOD. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!